Bonjour à toutes, je vous propose aujourd'hui le tutoriel d'un nail art que j'ai réalisé pour la Saint-Valentin. Donc ce sont des fleurs de cerisier japonais avec des petits lapins blancs amoureux. Je commence ce nail art en réalisant un dégradé, donc je vais prendre un rose un petit peu plus foncé que celui de ma base. Je vais ensuite appliquer deux bandes de vernis sur un support, puis à l'aide d'une mousse, je vais prélever ces deux couleurs et appliquer la couleur sur mon ongle tout simplement. Je nettoie ensuite le pourtour de mon ongle à l'aide d'un pinceau plat imbibé de dissolvant. Je vais ensuite appliquer quelques touches de doré sur le bout de mon ongle à l'aide de peinture acrylique dorée et de ma mousse. Je vais maintenant réaliser les branches de mes cerisiers, donc pour ça je vais prendre un pinceau fin et de la peinture acrylique noire, et à l'aide de la pointe du pinceau, je vais réaliser des branches. Je réalise maintenant mes fleurs de cerisier que j'ai réalisées à l'aide d'un dotting tool et de la peinture acrylique blanche. Donc je vous montre ici le modèle de base. Donc je fais un premier poids, je fais deux autres poids de part et d'autre du premier, puis ensuite je vais resserrer mes poids vers l'intérieur. Une fois que j'ai réalisé toutes mes fleurs, je vais ajouter un poids rose bien au centre. Je prends maintenant un dotting tool aiguille et de la peinture acrylique dorée et je vais réaliser de tout petits pois tout autour du pois central rose. Je réalise maintenant le lapin, donc je vais prendre de la peinture acrylique blanche et un pinceau fin et réaliser le corps du lapin de profil. Je réalise ensuite les oreilles du lapin, donc je vais réaliser une ligne fine puis écraser pour faire comme une forme de goutte. Je vais ensuite réaliser un cœur avec de la peinture acrylique rouge, donc toujours avec mon pinceau fin, je vais réaliser une sorte de V et ensuite je vais étoffer un petit peu plus les côtés pour représenter un cœur. Je finis comme toujours en appliquant une bonne couche de top coat. Ce nail art est maintenant terminé. Vous pouvez retrouver tout le matériel que j'ai utilisé sur le site lmcosmetics.fr. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain tutoriel. À bientôt!